Les Matins de France Culture, Guillaume herner Un triste anniversaire, il y a dix ans, le 15 mars 2011, une foule se rassemblait devant la Saraya, le palais de justice local de Dera en Syrie, défiant un régime décrit par le sociologue Michel Sera quelques décennies plus tôt comme, je cite, un état de barbarie. Alors, pour en parler, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant ces dix années, quelle était la nature de ce régime, pourquoi cette guerre en Syrie est devenue une sorte de trou noir qui a englouti quasiment le monde entier avec des répercussions évidemment mondiales. Nous sommes en compagnie de deux invités, Garance Lequen, bonjour, vous êtes journaliste indépendante, on vous doit notamment Opération César au cœur de la machine de mort syrienne, vous nous direz tout à l'heure, qui est César, c'est publié aux éditions Stock, et puis en face de vous, un ancien grand reporter à Libération, écrivain aujourd'hui, vous avez décidé d'évoquer cette guerre dans un roman, une guerre sans fin, c'est aux éditions un Rivage Noir. Jean-Pierre Perrin peut-être évoquer la nature du régime des... Assad, Assad père et fils. Oui, la nature du régime pose problème parce qu'elle est très difficile à définir. Alors, d'une part, nous avons un parti basse, mais qui joue aujourd'hui un rôle secondaire dans le conflit. Mais ce parti basse, bon, on pourrait le qualifier de parti un peu néo-fasciste, si on veut partie unique donc, avec le culte du chef, avec également euh, des choses qui rappellent un peu le, 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 le fascisme italien, le, le, notamment le, une forme de syndicalisme d'État et, et, euh, et puis évidemment une répression systématique de tout. Tout ce qui bouge en Syrie et ce, ce régime donc a perduré depuis hafez dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui à travers son fils Bachar. C'était une grande surprise d'ailleurs parce qu'on pensait que ce genre de régime ne pouvait pas marcher comme une monarchie. Et en fait, le passage du père au fils s'est fait à la mort du père sans grand problème. D'ailleurs, il a été validé par un parlement qui était totalement à la solde du, du père et donc c'est un régime, on va le dire ouvertement maintenant, qui est fondé essentiellement sur huit services de sécurité, Garance en parlera sans doute, ces huit services de sécurité, fondés quand même, il faut le dire, parce que ça donne une indication tout de suite très précise du régime, par un ancien adjoint de Eichmann, qui a fondé ce parti, qui a fondé ces huit services de sécurité, ou une partie d'entre eux du moins, et donc Aloïs Brunner, qui a vécu jusqu'à sa mort en Syrie, et je crois que ça donne une indication précise sur la nature du régime. Ce régime a toujours eu des liens avec, avec, avec l'innommable, on va dire ça. Carence oui, Luken. Effectivement, le, le, le régime syrien euh, ne tient que euh, par ses services de renseignement. Vous avez quatre grands euh, euh, partis ou quatre grandes agences. Vous avez la sécurité d'État, la sécurité politique, les services de renseignement militaire et les services de renseignement de l'armée de l'air. Ce sont eux qui tiennent le pays, ce sont eux qui sont à la charge. Euh, qui sont chargés de réprimer les manifestants quand, ils démarrent, quand les manifestations démarrent en mars 2011, notamment à, à Derra dans, dans, dans le sud du pays. Et ce sont eux qui, euh, qui permettent au régime de survivre aujourd'hui. Ce sont vraiment ces services de renseignement. Et, et tout ce qu'on. Tout le. le, le euh, oui, toute la répression de, des, des manifestants en mars 2011 jusqu'en 2012 et jusqu'à la militarisation de la révolution. Ce sont eux qui tiennent cette répression. Qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans, donc Garance Luquen? Comment est-on arrivé donc, de manifestations, manifestations réprimées à une situation qui est devenue de plus en plus proche? D'une guerre pour finalement devenir un, un conflit euh, véritable ben, En fait, euh, en, en mars 2011, vous avez euh, des manifestations qui démarrent à Delra pour protester contre l'arrestation de, de, de jeunes enfants, d'adolescents, qui ont osé écrire sur un, sur un mur euh, Ton tour va venir, il y a docteur, le docteur parce que Bachar el-Assad est un, est, un, est, un, est un ophtalmo. Ils font ça parce qu'on est dans, le, dans la période de ces printemps arabes. Il euh, y, y a eu d'autres pays avant eux qui, se sont, qui, qui ont bougé et des enfants osent écrire ceci sur, euh, sur un mur. Euh, et en fait, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés et les, les, les parents réclament de récupérer leurs enfants. Ces enfants sont torturés et on leur dit d'ailleurs carrément, écoutez, euh, vos enfants, euh, si s'ils si, 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 si meurent, si vous n'en avez plus, ramenez-nous vos femmes, on va vous en faire d'autres, on pourra les remplacer. Et là, toucher aux enfants dans ce, dans ce pays-là, au moment des printemps arabes, les, les manifestations commencent à déraper à partir de cette protestation-là. Quelles sont les, les revendications La démocratie, d'autres... La démocratie, mais également, euh, euh, pas au, au départ, les, les manifestants ne demandent pas la chute du régime. Ils demandent plus d'égalité sociale, économique, euh, et plus d'égalité politique, plus de démocratie au départ. Oui, et avec un mot qui revient comme dans le comme d'ailleurs dans les autres révolutions arabes, c'est le mot dignité. Voilà, le mot dignité est essentiel, on le retrouve dans les, dans les, dans les principales manifestations, une volonté justement de ne plus être traité comme, comme un peu comme des serres, si on peut dire. Euh, donc ce, ce mot, juste pour revenir sur les événements d'Era, c'est vrai qu'ils ont été totalement fondateurs. Euh, les témoins racontent notamment après l'arrestation des enfants que les cris... Des enfants torturés, on les entendait à l'extérieur du commissariat, et que c'est ce qui est donc incité aussi à les parents, évidemment, à aller chercher leurs enfants. Et, et, et ensuite, la façon dont on a traité les, les, les parents a à, à, à provoqué ce, ce, ces premières manifestations qui ont été matées avec une violence extraordinaire jusqu'à l'emploi d'hélicoptères. Alors, vous avez décidé de le raconter dans votre. Roman Jean-Pierre Perrin, une guerre sans fin. On suit trois Français, un diplomate, un mercenaire et un auteur entre la Syrie et l'Irak avec la montée en puissance de Daesh. Mais au début, à l'origine même de, de ce conflit, est-ce que Daesh existe Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent laisser augurer à la fois de la radicalité du conflit à venir et puis de la présence de ses militants je crois qu'il faut attendre l'année 2013 pour voir vraiment euh, les mouvements islamistes les plus radicaux euh, commencer à émerger daesh en particulier et d'autres euh, jusqu'à jusqu'à 2013 donc de mars 2011 euh, jusqu'à 2013 bon on a plutôt des manifestations qui ne sont pas vraiment politisé au sens où il y a des partis derrière c'est quand même il y a un côté spontané et il y a un côté euh, ramasse-tout c'est tout euh, la syrie manifeste finalement et c'est que peu à peu face à la violence de la répression et eh bien une partie de ces manifestations vont, vont, vont manifestants vont dire ben, il faut qu'on réplique aussi et donc à partir de déserteurs qui sont venus avec leurs armes et eh bien on va se constituer les premières unités de l'armée syrienne libre et donc on va commencer ce schéma de la guerre civile à ce moment là vraiment euh, et, et c'est à ce moment là aussi que les, les partis islamistes vont commencer à apparaître avec euh, eux un autre agenda que celui des manifestants, il s'agit de bâtir une république islamique, et euh, quelle que soit sa forme. Jean-Pierre Perrin, pourquoi le, le régime est-il aussi autoritaire dans votre roman d'ailleurs Il est question d'Aloïs Brunner, cet ancien SS qui a travaillé pour euh, le père de, de Bachar. Pourquoi... Qui est l'adjoint d'Echman, hein, qu'il ne jamais oublier quand même. Euh... Pourquoi, pourquoi un tel choix ah ben je, je crois que simplement ce, le, le régime a toujours fonctionné par la, par la force, comme, euh, comme toute dictature. Donc euh, les, les services de sécurité sont, sont très pratiques parce qu'ils ont permis de mailler complètement le territoire syrien. Et d'ailleurs ces services jouent les uns contre les autres. Il y a toute une... une, une... Une structure qui fait que la, la, la Syrie est totalement observée, à la loupe, chaque, chaque Syrien est observé. Et il y a des choses tout à fait intéressantes de voir dans la littérature syrienne d'aujourd'hui, contemporaine, avec des écrivains syriens, la plupart réfugiés en France, ou en Europe du moins, qui rendre compte de cet état dans lequel était tombée la, la, la Syrie avec ce, ce phénomène euh, comparable à, à l'archipel du, du l'archipel du goulag en, en Russie. Moi, j'appelle l'archipel des tortures avec l'emploi systématiquement de la torture. Par exemple, c'est devenu un, un fait de société. Vous avez des enfants qui jettent quelques pierres sur un sur le centre culturel français. C'est ce que me racontait son directeur. Et bien immédiatement, la police intervient. Qu'est-ce qu'elle fait Elle torture les enfants du voisinage, vous voyez, pour savoir. C est, c est, c est, c est... Et alors, évidemment, lorsque dans le s'agit des prisons, alors là, là, là évidemment, l'impensable là, est là. Et oui, peut-être qu'il faut parler de, de César et nous dire euh, de quoi il s'agit, Garance Lequen, et euh, dans quelle mesure. Euh on a eu un certain nombre d'informations terribles sur ce qui se passait notamment dans les prisons syriennes. En fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la répression était là avant la, avant la révolution, avant le début de la révolution. Jean-Pierre en a parlé. Mais au moment de la révolution, tout s'emballe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un emballement de cette répression. Avant la révolution, sous Hafez al-Assad, il y avait à peu près 17 000 prisonniers politiques. À partir de mars 2011, le pouvoir, le régime, sans qu'il peut peut-être perdre donc là euh, euh, les services de renseignement peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent et ils les arrêtent à tour de bras mais vraiment en 2011 2012 2013 il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui sont arrêtées et, euh, et, euh, et on leur demande en dès mars 2011 dans un au sein de la, du, du QG de la police militaire à Damas, au centre de Damas, euh, vous avez une équipe de photographes qui avait l'habitude de photographier les soldats morts mort pour la justice militaire. Ça se faisait depuis des années. Parmi eux, vous avez cet homme qui se fait appeler César, qui était photographe militaire. À partir de mars 2011, un jour, on leur demande d'aller à l'hôpital de Techrin, qui est au nord de Damas, et on leur demande de photographier des cadavres. Et ils comprennent que ce sont des cadavres de manifestants morts à Derra par la, par la répression. Et puis au fur et à mesure, ils sont de plus en plus souvent appelés. Et là, on leur demande de photographier des détenus qui sont morts, visiblement sous la torture, ou morts de faim, ou de maladies non soignées. Et ce sont des cadavres, la plupart du temps, en, en sous-vêtements qui portent des numéros sur eux, qui portent trois numéros sur eux, et quand César voit ça, il, il se met à paniquer. Et il se dit mais je ne peux pas rester. Enfin, je, il faut que je déserte. Et, euh, et, euh, et il en parle à son meilleur ami, Samy, qui est un activiste syrien, et qui lui dit non non, il faut que tu restes. Il faut que tu restes parce que ces photos montrent en fait la barbarie du régime. Et tu vas les copier. Euh, et puis ça nous permettra aussi de, euh, de montrer aux familles que leur proche euh, est mort, parce qu'en fait les familles une fois que leur proche est arrêté, ses proches disparaissent et elles n'ont aucune nouvelle d'eux. Alors, Bachar a été interrogé au sujet des clichés de César. C'était pour le magazine américain Foreign Affairs en 2015. Il a répondu Qui a pris ces photos Qui est-il Qui est César Personne ne sait. Aucune vérification de ces preuves n'a été faite. Ce sont des allégations sans preuve. Bah écoutez, aujourd'hui en 2021. Vous avez des procès, en tout cas des procédures judiciaires lancées dans toute l'Europe, et vous avez eu un premier verdict à Koblenz en Allemagne. Le dossier César est un élément central de toutes ces preuves, et à Koblenz, ça a été un élément central. Donc, oui, Bachar el-Assad peut, peut demander qui est César. César existe, il vit, et son dossier fait partie de, 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 de ces éléments de, de preuve. Jean-Pierre Perrin. Oui, et vous avez le César Act aux États-Unis, c'est-à-dire une loi américaine qui, donc, euh, promeut des sanctions contre, contre le régime et qui porte le nom de ce déserteur de l'armée syrienne, de ce photographe syrien. Et donc, ce sont des sanctions d'ailleurs assez sévères, mais qui montrent bien qu'aujourd'hui, César n'est remis en cause par personne. Il a bel et bien existé. Et puis, juste quand même sur la, la, la période Hafez et Assad, il y a eu ce grand massacre de 1982 à Hama. Hama, qui est une ville de l'intérieur syrienne, où euh, les frères musulmans ont... Instrumenter un soulèvement. Et immédiatement, nous avons eu une répression extraordinaire, au, au sens premier du terme, avec entre 15 et 20 000 morts. Euh, et juste, je, un, un, ce que j'ai enquêté sur, ce, sur, ce, sur cet événement, et le, le témoin a utilisé cette phrase qui n'est pas une métaphore d'écrivain, mais une phrase vraiment prononcée par ce témoin des massacres à faire pleurer les pierres. Justement, je pense que c'est important d'insister là-dessus, Jean-Pierre Perrin, parce que ça va faire partie de la mythologie du régime sous fez et sous Bachar, l'idée donc, le bas c'est un mouvement a priori laïque et euh, l'idée est de dire que ce régime se bat contre des radicaux, euh, des fanatiques euh, religieux et qu'il protégerait même euh, l'Occident en partie. C'est par exemple le discours à la fois de Bachar et euh, également de ses partisans. Il y a eu aussi euh, des partisans de Bachar, y compris en, en France, France euh, qui euh, ont expliqué que Bachar nous protégeait des terroristes. Oui, le régime est intelligent, il ne faut pas, surtout pas le sous-estimer. Le régime a tout de suite compris qu'en brandissant la carte de l'islamisme, eh bien, il pouvait rallier à lui euh, les pays occidentaux, les diplomaties européennes et d'autres, et, et russes en particulier. Et donc, il a, en jouant la carte du danger islamiste, eh bien, il a ratissé large. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, une partie de l'extrême droite, une partie de l'extrême gauche, évidemment, euh, colle à, à, à Bachar el-Assad. Mais, mais l'islamisme n'a été qu'une carte dans sa main qu'il a utilisé Notamment en libérant un certain nombre de prisonniers euh, des prisons de Sednaya par exemple, et qu'il a relancé sur le théâtre de la guerre. Alors, ces, 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 ces islamistes, il les a instrumentalisés pour justement montrer regardez, la Syrie, l'opposition n'est que constituée que de, 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 de radicaux euh, musulmans, et ce qui a donc, euh, lui a donc profité. Mais en fait, euh, on lui doit en partie, je dis bien en partie seulement, l'existence de Daesh. Qu'est-ce que, justement, c'était ma question. Qu'est-ce que Daesh doit à Bachar Daesh doit la libération d'un certain nombre de prisonniers, un certain nombre aussi de d'ententes de, quasi secrètes entre le régime. Par exemple, il y a eu des accords sur les raffineries de pétrole entre le régime et l'État islamique. Les raffineries sous contrôle, qui sont tombées sous le contrôle de Daesh, eh bien, ont continué de fonctionner et d'approvisionner en essence l'armée du régime. Ça, c'est très important. Il... C'est trop... très important, euh... bien sûr. C'est très important. Et, et, et C'est-à-dire donc... qu'en fait. Daesh a vécu de la contrebande euh, de pétrole notamment et euh, cela a été fait avec la complicité du régime. Je, je vous laisse. Oui, plus qualifier que contrebande, il a produit euh, du pétrole, il a raffiné du pétrole et donc euh, ce pétrole servait à l'armée de Bachar, bah, oui d'ailleurs aux, aux civils. D'ailleurs, il y avait dans, dans certaines provinces syriennes, on, on appelait ce, le, le, les gens appelaient ma, ma, mazout Daesh, vous voyez l'essence qui vient de Daesh, et, et donc dans des régimes dans des régimes Contrôlé par le régime. Donc vous voyez, la, le, le régime est capable d'utiliser toutes les cartes en sa possession pour sa survie, parce qu'il est question de sa survie, évidemment. Si la, si la, la révolte, la révolution avait triomphé, euh, le régime aurait été euh, balayé avec peut-être des conséquences. Euh, sans doute gravissime pour la, la communauté halawite dont il est l'incarnation. Garance Luquen, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un, un niveau de sauvagerie, donc celui que vous avez décrit dans les prisons syriennes vis-à-vis -vis de tous ceux que le régime a considérés comme des opposants, et euh, un niveau de sauvagerie donc qui expliquerait que de l'autre côté, Daesh ait aussi fait preuve d'une sauvagerie pratiquement sans j'allais dire, sans véritable concurrence dans ce que l'on a eu coutume de voir dans ce type de conflit. La violence naît de la violence. Enfin, les, les, les mouvements violents ne naissent pas comme ça. Ils arrivent dans un, dans un environnement où vous n'avez aucune euh, euh, démocratie. Enfin, Daesh est né dans les, dans les prisons euh, en Irak, euh, a pu prospérer en Syrie. Un des, des, des moments où, où, où ces mouvements-là commencent à recruter énormément, c'est... L'automne 2013. Pourquoi l'automne 2013 Parce qu'en automne 2013, vous êtes quelques mois, quelques semaines après l'attaque chimique de la Ruta euh, en août contre des civils. L'Occident, les Américains, les Britanniques, euh, les Français avaient dit qu'il, c'était, enfin, Barack Obama avait dit que c'était une ligne rouge si le régime utilisait du chimique. Du chimique est utilisé, on dit qu'on va frapper le régime de Bachar el-Assad, finalement, rien ne se Pourquoi fait. Les, bah, les États-Unis, ne, ne, euh, Barack Obama avait promis de ne pas s'impliquer à l'extérieur, donc il, fait, il, il recule. Cameron, euh, à Londres, recule. Et nous, Français, on, les, les avions étaient prêts à partir. On n'est pas assez, assez costauds pour partir tout seul. Donc on n'y va pas euh, euh, sur le terrain. Comment voulez-vous que se sentent des Syriens sunnites Ils se sentent totalement abandonnés. Donc quand vous vous sentez abandonné, à un moment, vous allez vers ceux qui vous disent ⁇ Attendez, avec moi, vous allez avoir la victoire. ⁇ Donc ils se retournent vers les mouvements les plus extrémistes. Ça, c'est un peu compréhensible. quoi. On va continuer d'évoquer ce conflit, un conflit qui a modifier non seulement le visage du, du Moyen-Orient, mais aussi euh, l'équilibre des forces. On va voir comment les grandes puissances, la Russie, s'est impliquée dans ce conflit, comment l'Iran, là aussi, a joué un rôle. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrin. Vous publiez Une guerre sans fin aux éditions Rivage Noir, Garance Lequen, Opération César au cœur de la machine de mort syrienne. On se retrouve dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il y a 10 ans, le 15 mars 2011, des habitants de Dera dans le sud-ouest de la Syrie se rassemblaient devant la Saraya, le palais de justice local. Ils étaient révoltés par l'arrestation et les violences commises par les services de sécurité contre des adolescents qui avaient réalisé des graffitis contre Bachar Al-Assad. Et c'est ainsi que débutait la guerre cette terrible guerre en syrie avec des répercussions pratiquement Partout dans le monde pour en parler. Nous sommes en compagnie de deux journalistes, Garance Lequen, journaliste indépendante. On vous doit notamment Opération César, au cœur de la machine de mort syrienne, aux éditions Stock. Jean-Pierre Perrin, vous êtes ancien grand reporter à Libération et vous venez de publier un roman qui a pour trait la guerre de Syrie, une guerre sans fin aux éditions Rivage Noir. Et puis nous sommes en duplex avec Jean-Philippe Rémy. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Rémy, vous êtes journaliste au Monde et on vous doit un podcast que vous avez réalisé pour France Culture au sujet de la guerre chimique en Syrie en quatre épisodes. Qu'est-ce qui aujourd'hui est prégnant dans ce conflit Quelle est la situation actuelle en Syrie alors, la situation actuelle en Syrie, vous voyez, elle est, c'est vrai, un peu déterminée par un ensemble de facteurs qui sont apparus tout au long de cette guerre. Cette guerre, au fond, c'est une guerre qui a été très centrale, qui a fait appel à des forces géopolitiques assez importantes, qui a un peu permis de voir la façon de se remodeler. Euh, l'usage de la force, euh, les relations internationales, etc. J'en parle de manière un peu générale parce que pour nous qui étions en 2013 en train de suivre le cours des événements de manière assez fiévreuse, vous voyez, le, les premières années de guerre euh, sont, sont, sont celles où il euh, y a une accélération, etc. Quand on voit aujourd'hui qu'on est face à un pays qui est dans un état de ruine absolue. c'était déjà ce qui était en cours en, en 2013 à ce moment-là. mais le fait d'avoir eu au cœur de tout ça euh, le recours aux armes chimiques, qui a, a d'ailleurs été nié euh, effrontément par, par le pouvoir pendant assez longtemps, euh, ça, ça a permis de voir que ce, 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 ce pays, la syrie, euh, aujourd'hui dans un état donc indescriptible, demeure vraiment le, le le pivot autour duquel s'organisent énormément de choses, les rapports de force entre euh, les pays occidentaux, euh, la Russie, l'Iran, etc., tout s'est redéterminé sur le terrain syrien et tout particulièrement autour de la question chimique. Donc la, 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 la Syrie est un pays qui est ravagé, la, les, les habitants, euh, je pense qu'on a euh, malheureusement trop, trop d'occasions de le dire, euh, ont, ont souffert quelque chose d'absolument abominable. Mais euh, il faut garder à l'esprit aussi, je crois, cette chose c'est que euh, la Syrie est extrêmement importante pour nous tous, mmh. aussi en raison de ses crimes, naturellement. C'est la première chose qui. Et on, on va voir comment évolue la. Les, les procédures judiciaires qui ont été engagées désormais dans deux pays que sont la France et l'Allemagne. Mais on est, on est vraiment au cœur de quelque chose et qui oui. nous touche de, de manière très profonde, au-delà des questions qui euh, souvent sont suscitées par euh, le, le regard extérieur sur la Syrie, du genre est-ce que ça alimente le terrorisme ou pas Tout ça, ça, ça c'est tout à fait secondaire. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est dans la planète, la Syrie est devenue quelque chose qui a joué un rôle considérable. Voilà. Et effectivement, votre. Votre enquête sur la guerre chimique en Syrie est aujourd'hui euh, disponible en podcast sur France Culture dans Mécanique. Du journalisme au micro, d'élis Carlin vous racontez en quatre épisodes Jean-Philippe Rémy, comment Bachar al-Assad a utilisé l'arme chimique pour lutter contre son peuple et faire des milliers de morts. Il y a également Jean-Pierre Perrin une situation aujourd'hui en Syrie qui est terrible du fait tout d'abord d'un appauvrissement général de la population, du fait du nombre de déplacés et des destructions qui ont été perpétré depuis dix ans. Oui, un tiers de la population syrienne est exilée ou déplacé, tout au moins. Et donc on est à la limite de la famine dans certaines régions, ce qui est quand même totalement incroyable aujourd'hui. Euh, avec une aide humanitaire qui est souvent détournée par le régime lui-même pour ses propres fins, pour les territoires qu'il contrôle plus particulièrement. Et donc, euh, nous avons aussi des villes entières qui sont détruites. Quand vous vous promenez à Homs, promener n'est pas le mot adéquat, mais quand vous, quand vous allez à Homs, pour ceux qui peuvent y aller, c'est-à-dire pour ceux qui sont des amis du régime, eh bien vous voyez un, un décor qui fait penser au Berlin de 1945. Euh, et puis on a un pays qui a perdu sa souveraineté, ça c'est important. Vous savez, j'ai décrit ce régime comme un peu euh, néo-fasciste, c'est pas tout à fait le, 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 le mot qui convient, mais c'est difficile d'en trouver un autre. Donc le nationalisme a toujours été une carte exacerbée dans la, le, exacerbée, disons, dans la, dans la politique syrienne, en particulier d'Afez el-Assad, qui l'a toujours brandi comme étant la Syrie étant un peu l'icône nationaliste du monde arabe. Eh bien, nous avons un régime aujourd'hui qui a vendu cette souveraineté Russes et aux Iraniens. Si les Russes ou les Iraniens s'en vont demain, on peut imaginer que le régime va s'effondrer, tout simplement parce que son armée a énormément souffert pendant la guerre et que, et donc, il a perdu énormément d'hommes et donc il a besoin à la fois des milices pro-iraniennes comme infanterie, si on peut dire, et de la Russie euh, Disons, dans les, avec, avec l'aviation qui a joué un rôle déterminant pour sauver le régime. Jean-Pierre Perrin, pourquoi les Russes et les Iraniens se sont-ils impliqués dans ce conflit Alors, vous connaissez l'expression de Saint-Simon, euh, des amitiés de loups. Ce sont des amitiés de loups, en fait. Il n'y a aucun point commun entre le régime syrien et le régime de Téhéran. Hein. Simplement, il a, ce sont des intérêts géopolitiques, voire économiques. Euh, L'Iran à une vieille relation avec les, les Assad, puisque pendant la longue guerre Iran-Irak, eh alors que l'Iran faisait face à l'ensemble du monde arabe, eh bien, la Syrie s'était détachée de ce monde arabe pour faire une alliance avec l'Iran. Et donc, nous avons les conséquences aujourd'hui. Bon, pour l'Iran, c'est important d'aider la Syrie parce que... Elle est d'un régime finalement euh, qui va l'aider aussi. Vous voyez, il y, y, y a des échanges. C'est important d'avoir un allié au sein du monde arabe. Donc elle a la Syrie. Plus la Syrie, c'est la porte euh, de, du Liban. C'est aussi euh, la frontière commune avec Israël. Euh, tous ces paramètres sont importants. Et puis c'est important de soutenir un pays finalement qui est globalement anti-occidental aussi, même si sous des différents Différentes présidences françaises, on a fait beaucoup à Miami avec les Syriens, mais ce qui était un peu un, un déni à la fois de, de, de diplomatie et de, de géopolitique, parce que les, les régimes syriens n'ont jamais aimé les régimes européens, donc simplement ils les ont utilisés, ce qui n'est pas la même chose. Et puis quant aux Russes, eh bien, là, il y a un vieux, vieux partenariat euh, qui date de l'Union soviétique entre Afez et Assad et et l'Union soviétique, donc ça perdure. Je veux dire, la Syrie a été la porte d'entrée de la Russie. Pour, pour se reconstituer un territoire dans, au sein du monde arabe, elle a été elle avait perdu énormément de terrain, elle l'a retrouvé Moi, je voudrais insister quand même sur la décision historique du président Obama de ne pas respecter sa promesse, c'est-à-dire la ligne rouge. De ne rouge, pas intervenir. Voilà, de ne pas intervenir. Il avait va... promis d'intervenir, il n'est pas, ne pas fait Voilà. Et c'est pas si la France avait trahi sa promesse, ça n'aurait pas eu la même importance. Là, c'est la première puissance du monde qui revient sur sa promesse, et donc ça entraîne des conséquences qui sont aussi bien euh, l'invasion de, euh, de la Crimée par la, par la Russie, euh, vous voyez, ça, ça a décrédibilisé totalement euh, la, la parole occidentale et ça fait de, de, du Moyen-Orient une sorte d'open bar où les Russes peuvent se servir à, comme, comme ils veulent euh, et, 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 et que ce soit de, de la Libye jusqu'à jusqu la, jusqu la Syrie. Euh, donc c'est fondamental. Pour, pour la Russie, la Syrie est fondamentale. Et puis, évidemment, dans, dans l'esprit d'un dictateur, ce n'est pas acceptable qu'une autre dictature tombe euh, parce qu'il y a des mouvements de, de, de contestation, des mouvements démocratiques et tout ça. Donc, il est important que les, les régimes autoritaires restent en place. Et euh, ceci explique cela. Aujourd'hui, il y a l'espoir que les responsables, que certains responsables, en tout cas, soient jugés. Le groupe Wagner, qui est un, un groupe de mercenaires. Russes qui ont servi notamment en Syrie seraient aujourd'hui inquiétés Alors inquiété, le mot est trop fort, mais au moins on va saluer euh, cette initiative du groupe Mémorial. Vous savez, Mémorial, c'est une, une ONG russe euh, qui est très active dans la défense des libertés, des droits de l'homme, euh, qui a... Déposer une plainte devant l'équivalent du parquet de Moscou euh, parce que sur une vidéo qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit six hommes de Wagner torturer à mort un Syrien euh, dont on a le nom évidemment. Et donc son frère a porté plainte. Et via la Fédération euh, internationale des droits de l'homme et via Mémorial, eh une plainte a été déposée euh, devant le parquet de Moscou. Alors on n'a pas beaucoup d'illusions sur, sur cette plainte, sans doute qu'elle va pas ne va pas durer très longtemps. Longtemps. mais au moins ça dénote un dit quelque chose pour dire que Wagner se comporte en Syrie comme même comme Blackwater, l'équivalent américain, ne s'est pas comporté en Irak. Là, ils ont euh, d'autres euh, mercenaires, d'autres mercenaires, pour... absolument. c'est ce, ce qu'on appelle les sociétés militaires privées. Et, et donc euh, Wagner, est notamment, en charge des, et oui, parce que il, il, de il la faut défense être... des installations pétrolières, il, par exemple. Il, et il là, faut... on retrouve les intérêts de Moscou. Donc l'économie, la politique, la guerre, tout ça se rejoignent. Et c'est quelque chose quand même qui est qui est assez qui est assez nouveau. Ah oui, parce qu'il faut peut-être souligner, Jean-Pierre Perrin, que ces derniers conflits ont vu l'apparition de militaires, de milices privées qui ont été rémunérées par ou bien les gouvernements ou bien par différents protagonistes de ces guerres. Oui, là en l'occurrence, Wagner est, est rémunéré par euh, les sociétés russes de l'énergie qui sont impliquées euh, en Syrie. Garance Lecaine, où en sont les procédures judiciaires Qu'est-ce que l'on peut imaginer, espérer en matière de, de jugement de ces responsables Et puis on va re reparler eh, de l'utilisation d'armes chimiques qui euh, constitue l'une des accusations portées contre le régime de Bachar. Oui, c'est bien de revenir aux Syriens. Il y a aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, une sorte de déplacement euh, 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 de cette guerre. Puisque les activistes syriens, les avocats, les, les, les militants des droits de l'homme ont été éjectés de Syrie, où ils ont été arrêtés, torturés à mort, où ils ont été vraiment poussés à, à quitter la Syrie, se retrouvent en Europe aujourd'hui. Et ils ont, euh, en fait, une fois qu'ils se sont retrouvés en Europe, qu'ils ont un peu trouvé leur marque, ils ont continué le combat pour essayer de de réclamer justice et ils ont euh, déposé plainte dans des tribunaux nationaux parce qu'on s'est aperçu que la justice internationale était paralysée puisqu'il n'était pas possible de euh, saisir la Cour pénale internationale à cause un, des vétos russes au Conseil de sécurité. Ça c'est la faillite de la justice internationale. Grâce à un mécanisme judiciaire qui s'appelle la compétence universelle en Europe vous avez des victimes syriennes qui peuvent euh, porter plainte euh, pour des crimes commis en Syrie par des Syriens. Et vous avez un problème Premier procès qui s'est ouvert à Koblenz euh, en Rhénanie-Palatinat euh, en, en, en Allemagne, mm -hmm. avec un premier verdict. Un procès qui juge deux hommes. Euh, un des deux hommes a été jugé il y a, il y a fin fin février, qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est à la fois un, un petit pas et un énorme pas en fait pour la justice, pour les Syriens, parce que c'est la première fois qu'un ex-membre du régime syrien est condamné pour crime contre l'humanité, complicité, mais surtout au-delà de sa peine à lui, de ce, de ce jugement. En fait, vous avez eu pendant des semaines le décryptage du fonctionnement du régime syrien, grâce à des victimes, grâce à des experts, grâce au dossier César, avec ces, ces milliers de photos de, de détenus torturés à mort. Vous avez eu euh, l'explication du fonctionnement du régime. Et C'est extrêmement important parce que ce procès-là et ce premier verdict va en fait en entraîner d'autres. Il y a des plaintes qui sont déposées en Autriche, en Suède, en France. Euh, ça va permettre de, euh, ça va donner un coup. D'accélérateur. C'est extrêmement important pour les Syriens parce qu'il faut qu'il y ait une justice. Il faut pouvoir trouver un lieu où vous pouvez déposer votre témoignage, où vous pouvez déposer votre témoignage dans un tribunal. C'est aussi une façon de vous délester un peu de votre souffrance. C'est aussi une façon de devenir moins extrémiste parce que quand vous n'êtes jamais écoutés, et c'est le sentiment qu'ont eu les Syriens pendant toutes ces années, de... ils ont frappé à toutes les portes, ils ont prévenu l'ONU, on leur parlera des attaques chimiques, ils ont documenté depuis mars 2011, on ne les a jamais écoutés. Là, pour la première fois, ils ont été écoutés par des juges. Justement, Jean-Philippe Rémy, nous sommes en duplex avec vous. Vous êtes je le rappelle, le narrateur de la dernière série de Mécanique du journalisme, un podcast de France Culture que l'on peut podcaster sur le site de France Culture franceculture.fr et vous racontez deux mois où vous avez passé clandestinement avec le photographe Laurent Van der Stock dans la banlieue de Damas une enquête. Que sait-on aujourd'hui sur l'utilisation des armes chimiques par le régime de Damas Je crois qu'aujourd'hui euh on peut dire que c'est à peu près incontesté par tous ceux qui sont de bonne foi. Il y a des éléments matériels qui en témoignent, etc. Il y a, il y a des, des, des ouvrages qui ont recensé assez, assez complètement l'ensemble des, des, des éléments vraiment de preuve hein, qu'il y a à ce sujet. Euh, tout l'historique de la, 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 la conception du, du, du programme en Syrie euh, qui, à l'origine, n'était pas destiné évidemment à, à, à être utilisé contre des, des civils ou des manifestants ou, disons, des populations syriennes mais pour tout à fait autre chose. Enfin... Dans tout à fait autre cas, chose. La, Pourquoi, Pourquoi Jean-Philippe Rémy Quel était le, le but de ce programme d'armes chimiques ah bah c'est parce qu'à l'origine c'est un c'est conçu comme une possibilité d'utilisation euh, d'armes non conventionnelles dans le cadre de cette tension permanente avec israël et euh, en attendant la prochaine guerre éventuelle en attendant le peut-être le hasard des circonstances euh, c'était 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 pas conçu je crois euh, autrement que, que pour ça le, le, le fait que on, on puisse désormais regarder un petit peu en arrière nous permet de voir que cette 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 compréhension euh, à travers euh, tous les, 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 les témoignages, les éléments de preuve dont je parlais, divers et variés, euh, qui ont été accumulés depuis, euh, c'est ça la grande différence avec cette, cette année 2013, où nous, avec Laurent Vanderstock, nous étions euh, partis euh, pour aller en direction de, de Damas, pour euh, littéralement couvrir quelque chose qui n'avait rien à voir avec les armes chimiques, puisqu'on entendait parler de choses à cette époque-là sans savoir très bien, sans avoir, sans, sans avoir la certitude que c'était des, des, des éléments tangibles. Mmh. On avait beaucoup de questions à ce sujet, mais on n'était pas bien certains en fait. Et c'est seulement sur place que quand on a commencé à voir, si vous voulez, en, en deux mots, l'utilisation qui en a été faite, qui était une utilisation ponctuelle, qui était une utilisation un peu de, de test, c'est l'idée qu'on s'est faite euh, au fil des semaines, mmh. de quelque chose qui relevait de l'utilisation. D'armes chimiques sans qu'on sache à cette époque-là de quoi il pouvait bien s'agir précisément comme composé, eh bien, disons que euh, on s'est dit, je, je crois que c'est intéressant de comprendre un petit peu le contexte à travers cette réflexion qu'on s'était faite à ce moment-là à Damas, dans un endroit qui était bombardé avec des sortes de petits projectiles qu'on arrivait mal à, à définir euh, relevant de cette, euh, cette, cette, famille, euh, cette famille chimique. On se disait, on va essayer de réunir évidemment tous les éléments qu'on peut pour essayer de comprendre de quoi il s'agit donc ça veut dire euh, trouver des échantillons, ça veut dire euh, ramener ces échantillons, les sortir, les faire analyser, etc., toute une histoire, mais on avait aussi le sentiment qu'on serait très vite en but à quelque chose mm -hmm. relevant de « personne va nous croire -à -dire ». C'est-à-dire cette idée que c'était tellement gros, cette idée que c'était tellement important que... Euh, ah, ça coup, serait difficilement vraiment... crédible. Ouais, ouais, Jean-Philippe Rémy, pourquoi... pourquoi... Le progrès... Oui je vous en... je, je, je une question à, à ce sujet désolé le, le duplex rend le dialogue compliqué Et comment expliquer que bachar al-assad ait eu recours à des armes chimiques pourquoi les armes chimiques alors qu'a priori elles étaient censées incarner une ligne rouge qui ne devait pas être franchie – Il y a sans doute plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte, euh, des éléments vraiment tactiques, c'est-à-dire que si vous avez euh, un front qui à l'époque menaçait de céder, dans... il faut se figurer, euh, vous voyez dans la banlieue de, de Damas où étaient les rebelles à ce moment-là, il y avait toute cette zone qu'on appelle la Routa, là où il y a eu le terrible bombardement euh, quelques mois plus tard en août, qui a, qui a rendu les choses assez claires malheureusement de ce point de vue-là, et cette, euh, cette grande poche de la Routa, elle abritait un certain nombre de rebelles qui étaient en train de pousser autant qu'ils le pouvaient pour rentrer dans Damas et porter la guerre dans Damas, qui ne sont pas finalement arrivés à faire. Donc sur le sur le front qui se faisait dans, dans, dans une zone très urbaine, hein, à la périphérie de Damas, dans les quartiers les euh, déjà de Damas d'ailleurs, il euh, y avait cette idée que ça pouvait céder, ça pouvait euh, ça pouvait laisser les, les rebelles entrer en quelque sorte. Donc utiliser de l'arme chimique, c'est facile, c'est enfin c'est facile en termes de, mmh. ça, ça, ça demande <laughs> évidemment tout un tout un appareillage, mais justement d'ailleurs. Les, les rebelles qui, étaient, qui ont été accusés très rapidement d'avoir eux-mêmes tiré sur leurs propres troupes des armes chimiques, et cette idée assez farfelue a été reprise par un certain nombre de, de gens qui trouvaient que c'était une idée magnifique. Évidemment, tout ça était absurde. Et le gouvernement, à peu de frais, au fond, pouvait se permettre de contrer cette avance. Euh, il faut bien se figurer que ça, ça vide les zones de leur population civile lorsqu'on les tue, ça c'est une évidence, ou qu'on les, qu les expose à l'idée d'être tués, c'est une forme de terreur. Et deuxièmement, euh, c'est au fond assez efficace un peu de frais, comme je disais. Donc ça c'est un. Et de oui. deux, dans ce contexte où il y avait eu la fameuse déclaration d'Obama disant que euh, le recours euh, à des armes chimiques constituerait une ligne rouge avec une intervention américaine possible. Je crois qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu pour tester justement la volonté jusqu'où irait mm. le euh, voilà le, la puissance le, américaine, le régime pour mettre mm. pour mettre ces ces menaces à exécution. Donc l'idée de tester constamment, c'est ça, ça fait aussi partie du programme, c'est-à-dire de, que... de, de la stratégie euh... suivie par Bachar, Jean-Pierre Perrin, une réaction à ce sujet. Oui, de, de, deux points. Euh, c'est vrai qu'après. Euh, la dénonciation de l'utilisation des armes chimiques, le régime les a moins utilisées, puis a cessé de les utiliser. Mais il a compensé quand même euh, cette, cette arme qui lui manquait par une importation massive de nitrat d'ammonium, par exemple. Et c'est ce que je pense aujourd'hui explique l'explosion du port de Beyrouth. Euh, avec les conséquences que vous savez, les premiers éléments de l'enquête. même. Il faut... Il, il, il faut expliquer pourquoi. Oui, euh, enfin, que, Quels sont les soupçons qui, euh, aujourd'hui, prévalent à, à Beyrouth au sujet de cette explosion et bien, Les premiers éléments de l'enquête, dont, évidemment, euh, le gouvernement li, li, euh, libanais fait tout pour l'étouffer, donc. Conduisent On a un stockage à, à, important à, 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 de absolument. nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth avec une surveillance, euh, comment dirais-je, largement insuffisante. Normalement, cette quantité-là n'aurait pas dû être là. Et il y a un soupçon qui porte sur le Hezbollah notamment. Oui, euh, sur le Hezbollah, mais, 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 mais aussi certainement la, les hommes d'affaires qui sont impliqués dans, dans cette affaire, disons, dans cette importation de nitrate d'ammonium sont deux hommes d'affaires syriens très liés au régime dont la mission principale était justement de contourner les sanctions internationales et américaines notamment et européennes et qui donc sont directement impliqués dans cet import massif de nitrate d'ammonium. Qu'est-ce qu'on peut et... faire avec du nitrate d'ammonium Eh bien, on peut faire des tas de choses mais on peut notamment, ils entrent dans la composition des produits euh, explosifs que le, le, notamment dans des, des barils que le, le régime lance sur les villes à partir d'hélicoptères notamment. Et donc, euh, on peut penser... Euh... Que Parce que ça a été très largement utilisé ah, dans par toutes les Bachar villes syriennes et, euh, assiégées. et bien, nous avions la présence d'hélicoptères qui balançaient ces barils de TNT et d'autres produits et qui avaient un effet dévastateur. Non pas qu'ils tuaient forcément énormément de monde, mais simplement ça terrorisait les populations et il y avait de quoi être terrorisé. Il faut, faut, faut voir ce que c'est qu'un hélicoptère qui balance du TNT. C est, c est, c est, si, le, si le baril tombe sur, sur un immeuble, il n'y a plus d'immeuble. Donc euh, une grande partie de, de, de la férocité du régime s'est exprimé justement par, par ses moyens. C'est une, une autre forme de, 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 de guerre de, de terreur, si vous voulez, que, que le régime a employé. Carence lequel Oui, je pense qu'il est important de parler des, des attaques chimiques. Les attaques chimiques euh, euh, ont fait. Quand même, enfin entre guillemets, beaucoup moins de morts que tous les bombardements sur les, sur les quartiers civils, que les détentions arbitraires, que les arrestations. C'est Pour nous occidentaux, il y avait cette fameuse ligne rouge, mais n'oublions pas que le, le, le régime a détruit la moitié de son pays. Vous avez 100 000 disparus aujourd'hui oui, oui. en, en, en Syrie 100 000 personnes dont on n'a aucune nouvelle. Euh, C'est beaucoup plus que les, que les morts par armes chimiques, même si évidemment il faut continuer à se battre pour, a, pour a savoir exactement ce qui s'est passé pendant ces attaques chimiques. Mais le, les principaux fin, crimes du régime, ce sont ces bombardements, dans, qui, ces bombardements qui ont rayé des localités de la carte, ce sont ces disparitions forcées, ce sont ces tortures dans les centres de détention. Je vous propose d'entendre un extrait de ce podcast mécanique du journalisme qui est aujourd'hui disponible au sujet de l'utilisation des guerres, des armes chimiques pardon, en Syrie. Une nuit, il y a quelqu'un qui va nous chercher, qui nous amène à un petit regroupement qui est en train de s'opérer. Et on part en direction de la poche rebelle. Et nous, on est tassés à l'intérieur d'un camion. Couvert de bâches, et va passer juste à travers d'une zone où des gens sont en train de se battre. Sur place, ils se parlent avec les téléphones portables, et il y a quelqu'un qui dit Ouais, il y a une attaque de sarin, arme chimique, sarin, truc comme ça, qui a lieu à Jobar. » Qu'est-ce que, dans le plus grand secret, l'armée syrienne est en train de fabriquer Un extrait de ce podcast mécanique du journalisme que l'on peut trouver, bien évidemment, sur le site de France Culture. Un mot, Jean-Pierre Perrin, un mot de conclusion aujourd'hui. Bachar est, comme l'écrivait Le Monde, par exemple, président ruine puisque le pays est, est véritablement en lambeaux. Daech n'est pas complètement défait, il reste dans une poche des combattants du groupe État islamique. Oui, c'est un pays en lambeaux, un pays dont une partie du territoire relativement importante échappe au régime. Vous avez quand même une dernière poche qui qui est contrôlé par les djihadistes et un ensemble de d'autres mouvements, euh, pas seulement des djihadistes d'ailleurs, mais mais sont une poche importante au nord de la Syrie. Vous avez aussi tout ce qui est contrôlé par les Kurdes qui échappent encore au régime. Euh, donc euh, bah, c'est vrai, Bachar règne sur des ruines, sur un pays dévasté. Il faudra sans doute de... et, et surtout on ne voit absolument pas de reconstruction à l'horizon, tout simplement tant que Bachar sera là. Quand même un point essentiel, c'est que même si les Russes Pousse le régime à des, à des négociations, à tolérer un minimum d'opposition au sein du régime. Nous avons un niet systématiquement de Bachar el-Assad contre toute tentative d'élargir un petit peu son pouvoir, le contrôle qu'il a, si vous voulez. Il refuse systématiquement toute opposition de, de, de le rejoindre, fut-elle la plus, la, plus, la plus modérée. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés. Vous vouliez dire un mot, ouais. Carles, le Bachar el-Assad a peut-être la guerre. Il ne doit pas gagner la guerre des récits. Il ne doit pas gagner la guerre contre l'impunité. Ça, c'est extrêmement important. Pour l'instant, il, 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 il gouverne son territoire. À l'extérieur de son territoire, des gens se battent pour que le vrai récit euh, soit, soit proéminent. Opération César, votre livre Garance Le aux éditions Stock. Une guerre sans fin, votre roman Jean-Pierre Perrin aux éditions Rivage Noir. Et puis ce podcast mécanique du journalisme sur la guerre chimique en Syrie.